Et salut, ce soir vidéo un peu spéciale, c'est le réveillon de Noël et du coup moi je vais bivouaquer dans le jardin par souci de confort et par plaisir. Mais on est pas mal dans la maison, du coup ça va pas tenir. Bon, moi ça m'arrange puisque je kiffe le bivouac, donc du coup petite soirée spéciale, spéciale Noël. Bon, et bien moi je retourne réveillonner, on se rejoint tout de suite après. Oh, on est en milieu de soirée, c'était l'heure de la petite blonde, si vous voyez ce que je veux dire. Il fait bon là, je pensais que, vu qu'on est en montagne, je pensais que ça allait cailler un petit peu, mais au final non, franchement, je suis surpris de la température. Ouais, on va aller piquer la tente, il y a Max et Tony qui me filent un coup de main. Là, le terrain il est un peu accidenté. C'est pas un terrain qui est prévu pour, donc je vais essayer de me trouver une petite place sans caillasse. De pas me prendre les éboulis. Le gros problème ici, c'est que le soir il y a les sangliers qui viennent et ils font tomber le talus. Donc, je vais sûrement me prendre la caillasse sur la gueule. Le camp est monté. Le seul souci, c'est que là c'était trop pentu, donc j'ai dû, pour avoir un peu plat, me caler ici. Le problème, c'est que je suis au bord d'un petit fossé, donc je sais pas quelle heure je vais venir là. Certainement vers 2-3 heures du mat. J'aurai un peu la tête dans le cul, j'espère juste que je vais pas me louper. Allez, je vais y aller, que là tout le monde m'attend. Au moins c'est fait. Le plus gros, c'était de monter le camp ici là sur un terrain de village. Je suis un petit peu éloigné puisque j'ai ma bouche box, donc histoire juste de pas les enfumer un peu avec une odeur de bois brûlé. Allez. Et voilà, Spikey, le staff de Noël. Il m'a encore chopé une pierre. C'est pas possible. Bon, eh bien, mode bivouac activé. Fin de soirée. Enfin, début de matinée plutôt. Et eh bien, donc là, pour nous, la soirée commence. C'est l'heure de se faire un bon petit café. Histoire de me remettre un petit peu les idées en place. Bon, et bien c'est après ce bon petit café bien chaud que je clôture mon réveillon de Noël. J'en profite pour te parler des nouveautés à venir sur la chaîne, comme les tutos sur la survie. Je vais inclure également des tutos de secourisme. Il y aura également des mises en situation pour la survie et pour le secourisme. Alors niveau exploration, j'ai pratiquement bouclé la ligne Maginot 06, à savoir les plus grands ouvrages. Il y en a plusieurs que je n'ai pas affiné puisque ce sont des petits ouvrages et inintéressants pour une vidéo. Je vais donc changer de secteur et je vais remonter peu à peu la ligne Maginot en allant vers le nord. Bon, la fatigue commence à se sentir, je vais me rapprocher de la tente, on va aller spioter. Mais je t'embarque avec moi. Allez, allez, on rentre. Allez, allez. Bon, ben voilà. Belle petite nuit, bien fraîche. Donc, comme je pensais, ça s'est rafraîchi un petit peu sur le coup des 5 heures du mat. J'avais plus pensé 3 heures, mais non, au final, c'est sur les 5 du mat. Hein. On a perdu quelques degrés. Mais supportable, franchement supportable, bonne petite nuit. Oh, du coup, on va se lever. Il y a du soleil, je pense que c'est un peu mort. Et le temps, il est plutôt brumeux. Hein. Ce qui
magie. Et puis apparemment mon gel il est au top parce que je suis encore coiffé, ça c'est trop génial. Ben, on va aller se boire un petit café, mais cette fois-ci à l'intérieur. Bon, eh bien, en attendant, j'espère que cette petite vidéo très courte t'a plu. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes et je te dis à très très bientôt. Tchuss.